J'ai la flemme. Je vais reprendre la Ronéo de l'an dernier. J'ai la flemme. Je vais reprendre la Ronéo de l'an dernier. Ouf, j'ai la flemme. Je vais prendre la Ronéo de l'année passée. J'ai la flemme. Je prends la Ronéo de l'année dernière. Oh là là, j'ai une de ces flemmes. Je vais prendre la Ronéo de l'année dernière. Vous n'en pouvez plus de dessiner des schémas trop compliqués et les logiciels graphiques vous effraient. Nous avons la solution, les élèves à schéma. Artistique, classique, design, minimaliste ou fashion. Reprenez leurs schémas, intégrez-les à vos présentations. Sans bavure, cher professeur, le lot d'élèves à schéma pour 3 heures équivalent TD. Une offre exclusive sur Téléplagiat. Nous allons reprendre la suite du cours sur les transformés de Fourier et sur les exemples fondamentaux. Je vous rappelle avant toute chose qu'il est interdit de reproduire totalement ou partiellement ce cours ou toute œuvre. Vous n'avez pas le droit de le traduire, de le transformer ou d'en faire quoi que ce soit sans mon consentement. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Allez, donc, il me semble que nous en étions... Non, sérieux, vous vous moquez de moi? C'est quoi cette caméra? Ce dictaphone là? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est simple. Vous recommencez. La semaine prochaine, je vous colle un examen sur ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Est-ce que c'est bien clair? Donc la semaine dernière, on s'était arrêté à l'exemple exponentiel moins t en valeur absolue. Aujourd'hui, on va continuer sur le cinquième exemple, qui est exponentiel moins pi t carré pris en u. Et on va démontrer que on a la même fonction in fine. Ça va? Je vous dérange pas, peut-être? Donc ici, on va faire un calcul non pas explicite, on ne va pas passer par l'intégration directement, on va passer par les équations différentielles. Donc on va dériver par rapport à U, notre transformée de Fourier. C'est moins 2i pi ut. Vous croyez que je ne vois pas? Vous pensez que parce que j'ai le dos tourné, que je vous entends pas? Puisque c'est comme ça, examen la semaine prochaine. Soyez pensé à moi. Au revoir. Bonjour, nous sommes en direct du tribunal. Nous attendons la sortie des accusés. Pour rappel, la Cour de justice a été saisie suite au non-respect des droits d'auteur lors d'un cours et d'un diapo utilisé dans la fac de Lyon 1. L'accusé a été condamné à 300 000 euros d'amende ainsi que 3 ans d'emprisonnement. Pensez-vous que la sentence vous dissuadera de plagier à l'avenir? Pourrez-vous encore exercer? Pensez-vous que la sentence... Elle n'avait pas répondu à ma question! Allez-vous faire appel? Effectivement, nous ne comprenons pas du tout la décision du jury. L'utilisation de données disponibles est quelque chose d'assez banal dans le milieu et mon client est très loin d'être un cas isolé. Enfin, nous ne prononçons pas plus pour l'instant, merci. Répondez s'il vous plaît! Vous n'avez pas répondu à nos questions!
Donc, comme vous pouvez le voir, l'accusé ne souhaite pas se prononcer. Nous allons voir par la suite s'ils vont faire appel ou pas. C'était Lucette Dupont en direction d'ISPBTV. Merci.